Donc je suis le lieutenant-colonel Baudinet, réserviste à la délégation militaire départementale de la Gironde et j'ai en charge la direction de ce rallye. Ce rallye s'adresse à 14 établissements scolaires de la Gironde, 14 collèges aujourd'hui, mais il a également eu lieu hier pour 14 lycées du département. Ce rallye donc consiste à faire passer 14 épreuves sur une journée à des collégiens pour ce qui est de la journée d'aujourd'hui. Sur différents ateliers qui sont en rapport avec la citoyenneté et par conséquent avec le programme scolaire qui est vu dans l'établissement. Les collégiens passent dans des ateliers, donc je l'ai dit, à la fois physiques et intellectuels qui ont un rapport avec la citoyenneté. Donc ils auront l'occasion de s'adresser à des gendarmes, à des policiers, à des militaires des trois armées, mais aussi à l'Association des maires de Gironde, à l'Office national des anciens combattants et autres organismes qui ont donc un rapport avec la citoyenneté. Mais ils seront également mis à l'épreuve dans des ateliers physiques de canoë-kayak, de parcours d'audace, de parcours du combattant, pour mettre à l'épreuve leur capacité de cohésion et leur dépassement, le dépassement de soi, à l'intérieur donc d'une équipe. Voilà en gros en quoi consiste ce rallye sur une journée.